Good morning, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le Lonishmat, François Fajib Ben Chana, Janine Ruth, Batfort, Mazal Fredna, Claude Chomo Ben Shalom, Ishaïa Ben Linda, si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Perek, Maseret Pea, Perek Zain, Mishnah Vav, Kerem Revaï, Bet Shamay Omrim, En Lo Chomesh, Ben Lo Biur, ou Bet Yilel Omrim, Yeshlo, Bet Shamay Omrim, Yeshlo Peret, Veyeshlo Olelot, Veha Aniim Podim Latzman, ou Bet Yilel Omrim, Kulo Lagat. On a une Mishnah qui va nous parler de nouveau, qui continue à parler de la chôte particulière du kerem, de la vigne, avec, en rapport avec le Peret et Olelot, bien sûr, comme on a parlé de Dieu dans quelques Mishnayot. Et Peret, donc, on rappelle, c'est des fruits lorsque je cueille la vigne, ce qui me tombe des mains, un grain, je le laisse, et un grain, deux grains, mais pas trois. Et Olelot, on a dit, c'est les branches qui sont peu fournies, comme on expliquait. Maintenant, on va parler dans notre Mishnah du Kerem Réveil. Alors, on va faire deux petites introductions. Expliquer la lachot d'une digne de Réveil. Après, on va expliquer la lachot d'une digne du Maser Sheni. Après, on va expliquer qu'on a une marquette Benjamin et Bet Hillel. Et ce qu'il faut mettre en corrélation, en parallèle, les lachot qui sont dites sur le Maser Sheni, les appliquer sur le Kerem Réveil, ou ça n'a aucun rapport. Alors, on explique. C'est quoi d'abord Kerem Réveil? Kerem Réveil, d'abord, lorsque je plante un arbre, n'importe quel arbre fruitier que tu plantes. Shalosh anim yelachem arelim lo yachel. Il a un statut de orla, on n'a pas le droit de le consommer pendant 3 ans. Quand tu plantes, on ne consomme pas les fruits de l'arbre. Même si tu prends, tu le déterres, tu l'amènes ici, tu le plantes ici, tu dois redémarrer un nouveau compte de 3 ans, sauf s'il y avait une quantité importante de terre, c'est tout un. Il y a la forme bien précise. En tout cas, ça c'est réveillé. Chaque fois que tu plantes, tu dois, 3 ans, tu as le droit de tirer profit des fruits. La quatrième année, la Torah nous a dit, écoute, les fruits, ils viennent permis à la consommation, attention, ils ont une gdoucha dessus, ils sont sanctifiés. Cette gdoucha, ça implique que tu dois monter les manger à Yerushalayim. Et si tu n'as pas la possibilité de monter, c'est une quantité trop grande, tu ne peux pas partir tout de suite, eh bien, tu devras transférer leur gdoucha sur de l'argent et monter l'argent à Yerushalayim. D'accord? Vous retenez bien ça, la chôte, c'est quoi le Revaï pour le moment? Revaï, c'est pendant la quatrième année, la gdoucha dans les fruits. Tu n'as pas le droit de consommer tel quel, tu dois monter à Yerushalayim ou transférer la Gdusha. Fin de la première introduction, c'est quoi Revaï? Maintenant, on va parler de la fin du Maaser Sheni. C'est quoi Maaser Sheni? C'est lorsque tu reçois ta récolte, lorsque tu récoltes ton produit, eh bien, tu dois donner les différents dons, ton Magdola, Maaser Rishon, et ensuite un autre Maaser que tu dois donner sur les années agricoles 1, 2, 4, 5. Tu vas donner le Maaser Sheni, un deuxième Maaser, une deuxième fois après les cultures avec ses fruits. Tu n'as pas besoin de les donner, ils sont pour toi. Mais tu dois monter les manger à Yerushalayim. Ils ont une gdoucha. Et la Torah nous dit de nouveau, si tu ne peux pas les monter tel quel, tu les transfères sur de l'argent et tu montes avec leur argent. Ça, c'est la chôte de Maaser Sheni. Ça ressemble beaucoup au Revaï pour le moment. De ce point-là, de ce point de vue, il y a une gdoucha que tu peux au pire transférer sur de l'argent et monter l'argent à Yerushalayim. Très bien. Maintenant, on va découvrir maintenant toute une série de halakhot qui a été dit dans Maaser Sheni, particulières, qui ne sont pas explicites dans le Kerem, dans le Revaï, dans le Din de Revaï, la quatrième année. Et la question sera de savoir, est-ce que les halakhot qui sont en vigueur dans l'un sont applicables sur l'autre? Ou autrement dit, est-ce qu'il y a une Xerashava entre Revaï et Maaser Sheni, ou il n'y a pas de Xerashava? Bet Hillel pense qu'il y a une Xerashava, et Bet Shammai pense qu'il n'y a pas de Xerashava. Selon Bet Hillel, toutes les halakhot particulières que tu vas trouver dans le Maaser Sheni, tu les appliques aussi sur le Revaï, et ça implique Chomesh, Biur et Peret Veolelot. C'est les trois sujets qui sont évoqués dans la Mishnah. Ça, selon Bet Hillel, ils sont en vigueur. Selon Bet Shammai, ils ne sont pas en vigueur. Alors c'est quoi tout ça? C'est quoi Chomesh? Et c'est quoi Biur d'abord? Chomesh, lorsque le Maaser Sheni, tu veux transférer la Gdusha sur de l'argent, tu dois rajouter 1/5 du prix. Plus précisément, 1/4 du prix qui sera le 5e une fois que tu auras tout transféré. Ouais, par exemple, ça coûtait, tu avais une valeur de 100 shekels de fruits, et bien tu prends 125 shekels, et tu transfères la gdoucha à 100, tu rajoutes le quart. Comme ça, ça devient maintenant, il y a 1/5 de l'argent qui est là, qui a été rajouté. C'est une taxe qu'il faut rajouter. C'est un peu le chomesh, on l'a évoqué plein de fois, plein d'occasions. C'est le chomesh. Et à part ça, il y a aussi la halakha du biur. La Torah, elle m'a précisé, cette fois-ci dans Parashat Kitavo,
que tous les 3 ans, à Pessah, tu dois faire l'inventaire et sortir tout ce qui te reste chez toi, des troumottes, de maserot. Tu n'es pas obligé toujours de donner la trouma tout de suite. Tu peux la prélever, tu peux la garder chez toi, donner quand tu voudras. Si tu as prélevé la chala, tu peux aussi la garder chez toi pendant ce temps, tu la donnes à l'occasion. Si tu as fait cuire un pain qui est chala, et tu as fait cuire des croquants qui peuvent te rester chez toi pendant 2 ans, pendant 2 semaines, tu peux aussi le donner plus tard au Kohen. Ou pareil aussi pour le maaser rishon, tu n'es pas obligé de tout donner tout de suite. Si tu as fait du vin, tu peux des fois garder ça dans ton stock, dans ta cave, garder ça pendant 1 an et 2 ans même. Mais malgré tout, la Torah m'a dit tous les 3 ans, sur un cycle de 3 ans, donc à Pessah, tu fais le Biur Maaser. Biur Maaser, ça implique que maintenant, ça y est, il y a une date qui arrive, où tu te débrouilles d'évacuer tout ce qui te reste chez toi, le Biur. Donner au Cohen ce qui lui revient, au Lévi ce qui lui revient, il te reste du Maaser Sheni. Eh bien, le Maaser Sheni qui te reste, tu le montes à Yerushalayim tout de suite, tu transfères son argent, tu amènes cet argent à Yerushalayim, tu es obligé, tu ne peux plus continuer avec. Ça, c'est le Biur. D'accord? Ça, c'est en vigueur sur le Maaser Sheni. Est-ce que c'est applicable aussi sur le Revaï, que si j'ai des fruits de Revaï, que tu vas aussi me donner les mêmes instructions, que si tu transfères, tu dois rajouter un 5e, ou tu es imposé de faire le biour, de finir de clôturer les comptes à Pessah de la 3e année, alors c'est la marloquette. Kerem Revaï, un vignoble de 4e année, Revaï c'est la 4e année, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai me dit, En lo Chomesh, En lo Biur. Bet Shammai me dit, il n'y a pas besoin d'ajouter le Chomesh lorsque tu transfères la Kdusha. Et il n'y a pas non plus, tu n'es pas imposé de faire le Biur, c'est-à-dire de tout évacuer à la 3e année, tout évacuer ce qui te reste de chez toi. Et tu n'as pas besoin de le faire. Ou Bet Hillel Omrim, et selon Bet Hillel, Yeshlo. Oui, tu es imposable. Pourquoi? Comme il nous dit le Barthénora, il a fait Kodesh Kodesh Mimaaser. In Zera Shava, dans mon Kodesh qui a écrit Biarti, à Kodesh Mnabai sur le Maaser Sheni, et bien Kodesh Ilulim Lachem, qui a été dit sur le Maaser, sur le Kerem Revaï, sur le Revaï, et là on apprend une Zera Shava, on juxtapose, et la chôte de l'un sont obligables sur l'autre. Fin de la première partie de la Mishnah, deuxième partie, c'est encore le même principe, cette fois-ci avec une nouvelle application sur le Peret Veolelot. D'abord, je donne l'instruction générale. La Torah, elle me dit, quand tu cueilleras ton champ, vechar mecha lo teolel, vechar mecha lo teolel, et la marqué là-bas aussi, et le perret aussi, d'ailleurs, j'ai plus le passage dans ma tête tout de suite. Mais en tout cas, la Torah elle insiste en me disant ce qu'il y a à moi, je dois laisser. Le maaser ani, le maaser sheni, il n'est pas à moi, parce qu'il est kadosh, il est saint, il appartient, j'ai le droit, moi, je suis en droit de le consommer, moi. Je suis en droit, moi, de le transférer à la mais je suis un. Il n'est pas. C'est pas ma propriété. Le Maaser Sheni n'est pas considéré comme ma propriété. La question, c'est est-ce que maintenant, le Kerem Revaï, il est considéré comme ma propriété. Et là, on a une nouvelle marloquette. Selon Bet Shammai, il n'y a pas de Xera Shava. Donc, le Kerem Revaï, c'est vrai, tu dois transférer la Kdusha dessus, mais c'est ta propriété. Dans ce cas-là, il a Peret et il a Olelot. Et après, on va expliquer la petite phrase supplémentaire. D'accord? Et selon Bet Hillel, eh bien, Bet Hillel, il va te dire, le père, le Kerem Revaï, il a une Kdusha, c'est la Kdusha, c'est pas ton bien, c'est un bien qui appartient à Hachem, il t'a donné la possibilité de le consommer, il t'a même invité à venir à Yerushalayim le consommer si tu veux, ou transférer la Kdusha si tu veux, mais en tout cas, c'est pas ton bien proprement dit, donc tu es plus imposé de laisser les Peret et les lotes pour les pauvres. D'accord? Alors maintenant, on va voir ça dans les mots, c'est dit de manière un petit peu plus raffinée, mais le principe, c'est le même. Bet Shammai me dit, on est toujours sur le même Kerem Revaï. Yesh lo peret, le yesh lo olelot. Il faut laisser le peret et les olelot. Ouais. Les dons qu'on fait pour les pauvres quand ça tombe des mains, ou bien les tiges qui ne sont pas fournies. Tu les laisses. Même si c'est du Revaï, il y a la misa de donner ces dons aux pauvres. Et qu'est-ce que. Et quoi? Mais quoi? Il y a du clochet dessus, mais rien de grave. Des animes, pour dire l'asmam. Les pauvres viennent ramasser. Et puis lorsqu'ils sont chez eux, ils vont racheter la clochet de ça. Au Bet Hillel Omrim, Bet Hillel ne dit pas du tout, Kolo la Gat, tu prends tous les fruits, tu les amènes entièrement sur Gat, au pressoir, et tu les presses, et puis tu transferas la Kdusha si tu veux. En tout cas, tu n'as pas de devoir de le laisser pour les pauvres. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov Sela.